J'ai honteusement regardé la solution sur internet parce que ça me gavait de tourner en rond. Et en fait, il faut ouvrir ce coffre-là pour voir qu'il y a de la matière de peinture. En fait, l'indice, c'est la chaise qui est mal mise en place, qui m'avait intrigué, qui m'invite en fait à fouiner. Voilà, apparemment, Chanel a caché les fournitures de peinture dans un pupitre de sa chambre. Je trouve ça suspect. Je crois qu'il faut que je continue à chercher des indices. Salut, que puis-je pour vous? Pouvez-vous coucher pour moi? Voilà. J'ai trouvé des taches de peinture et une empreinte sur le tapis de la salle à manger de la grande salle. Je dispose à présent de suffisamment de preuves pour l'accuser. Ça, je vais pouvoir vous dire à la comtesse. J'espère que l'enquête se passe bien. Revenez me voir quand vous aurez trouvé le coupable. Quand vous aurez assez de preuves, confrontez celui que vous aurez identifié comme étant le responsable et essayez de lui faire avouer ses fautes. Je ne leur souhaite pas de mal, mais je veux que le voleur soit puni par la justice. Bonne chance, enquêteur. Alors, avez-vous réussi? Rebonjour. Bonne chance pour vos recherches. M'en parle pas. M'accusez-vous d'avoir volé le tableau? Mais parfaitement. Très bien. Je reconnais avoir commis le vol. Mais essayez de comprendre. Je ne l'ai fait que parce que je portais un immense amour au comte Valga. C'est moi qui ai peint ce tableau. Après la mort du comte, la comtesse s'est mise à passer tant de temps avec le tableau que je suis devenue jalouse. Il fallait que je récupère le tableau. Alors j'ai décidé de le voler et de le cacher derrière le tableau qui se trouve dans mes appartements. J'ai honte, mais je suis prête à faire face à ce que mon destin me réserve. Je n'aurais jamais dû laisser mes pinceaux traîner dans le château. Je suppose qu'il n'a pas été difficile de me trouver. Vous tenez votre criminel, félicitations. J'ai honte d'avoir pris ce tableau, mais mon amour pour le comte dépasse ce que vous pouvez imaginer. Ah là là. Nous avons déjà parlé de tout cela, et j'ai reconnu être coupable. C'est bien. Je suis perdue. Bienvenue, détective. Ah, vous êtes revenu de votre enquête, et j'ai hâte d'entendre vos conclusions. Qui est le coupable, à votre avis? C'est Chanel. C'est un choc pour moi d'apprendre le crime de Chanel, elle qui a toujours été si agréable. Mais je vois bien que vos preuves sont incontestables. Elle perdra donc ses privilèges, et sera bannie du château de Corolles. Mais je ne suis pas dénuée de pitié, et je ne la jetterai pas en prison. Mais qu'elle ne s'avise pas de remettre un jour les pieds à Corolles. Félicitations, beau travail. Prenez cet or, et des joyaux en récompense. Vous les avez bien mérités. Ah, parce que j'avais le portrait sur moi, putain, j'avais même pas vu. J'ai même pas pensé à regarder le... Ah merde, j'avais un portrait robot du... Enfin bref. De monsieur le comte, le regretté. On lui a acheté une maison? Je ne vous fais pas assez confiance pour vous en parler. Oh, je suis...
déception. Adieu. Ah, c'est moche, mais je vais courir après, là. Bonjour. Salutations. Qu'est-ce que vous avez ? J'ai cru comprendre que le culte voué au Dédrag... Elle était partie par là. Quelles sont les nouvelles ? Bah, nous avons expulsé. C'est moche. Non, allez, c'est moche, je me barre du château. Allez, j'ai été arrivé. Bah non, c'est forcément le matin. J'ai la révérence. Oh là là. Bonjour. Bonjour. Ah d'accord. J'ai mis une étagère juste au-dessus de la lampe porte. Okay. Oui, donc le bah tiens, il parle de la comtesse. Le doigt de la montagne, en fait, c'est un sort de poudre, c'est le cadavre carbonisé. Et en fait, si je l'avais donné à la nana, il y aurait une suite de la quête où, en trouvant une pierre, bah, comme celle que j'ai ramassée visiblement dans le temple blanc, là, bizarre. Je serais revenu lancer un sort de foudre sur le pilier brisé sur lequel il y a des inscriptions. J'aurais obtenu la puissance de la foudre enfermée dans la pierre. Mais l'astuce consiste à faire cette manœuvre lorsqu'on a un haut niveau dans le jeu, ce qui n'est pas mon cas, je démarre à peine, je suis niveau 2. Il est conseillé de faire ça au niveau 26 et plus pour avoir un sort de foudre ultra puissant. Et plus en plus. C'est pas plus mal que j'ai remis le bouquin à la guise des mages. Mais dans les deux cas, il faudrait que j'aurais eu mon accréditation. Oh, c'est beau. Bon, bref. Je vais peut-être remettre mon armure, là. Ah, attends, non. J'ai des potions à vendre. Ah, c'est beau. Le patin est magnifique, mais je... Je vous écoute. Je crois que je vais aller acheter quelques livres chez Renoir. Il en a un sacré choix. J'ai entendu dire que Renoir offrait un grand choix de livres à des prix tout à fait raisonnables. Quelles sont les nouvelles des autres provinces? Ils vont peut-être acheter mes sorts, mes potions. Bonjour. Je n'ai pas le souvenir de vous avoir déjà rencontré. Vous venez d'arriver en ville? Oui. Vous de même. Je suis toujours contente de voir de nouvelles têtes. Bienvenue. Je suis sûre que ma mère aussi aimerait vous rencontrer. Votre mère? Ce magasin appartient à ma mère. Elle sera contente de voir un client. La comtesse est bien plus heureuse, maintenant qu'elle a récupéré ce qu'on lui avait volé. Ah oui. Au revoir. Au revoir. Que voulez-vous ? Bah, marchander. Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Ah. Génial. Ça devient intéressant. Mmh.
c'est cool. Après, elle, je sais pas si elle en vend. Non, elle vend pas de potions. J'aime quand mes clients sont contents. Ouais, tu m'étonnes. Prenez soin de vous. Quand vous voulez. J'ai pas vendu le bouclier, merde. Ah, qui est con. Mais oui, j'ai pas pensé à vendre des fringues. Ah, mais quel con. Attends, je vais y retourner. Je vais y retourner parce que ça fait du poids, ce machin-là. Pas malin, ça. Je vous écoute. Que voulez-vous ? Bah, je vais te vendre des fringues que je voulais te vendre. Jetez un œil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Amriel. Alors. Ah non, c'est de l'armure, ça n'intéresse pas. Merde. Prenez soin de vous. Faut que j'aille voir le forgeron. Bonjour, ô elf. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est la dame au lit. Salut. Monsieur. Je suis Rena Bruyant. J'aime les chiens. N'est-ce pas le cas de tout le monde ? Non. Ici, quelque chose à me dire ? On nous appelle sans doute les gens aux chiens en ville. Rimalus et moi adorons les chiens. Nous en avons un certain nombre. Ils sont incroyablement gentils et bien élevés. Au revoir. Nous sommes rencontrés plusieurs fois. Et quand je l'ai vu à Shilin Hall, il m'a complètement ignoré. Comme s'il ne se souvenait pas de moi. Je n'aurais jamais cru. Oui. Ah, c'est pas très fort. Il est triste, mais là. J'ai entendu d'autres. Si, c'est lui. Alors, voyez. Ah, si j'arrive à monter, c'est dormi. Que puis-je pour vous ? Je vais vous vendre mon matos, pardi. Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises ? Mais bien sûr. Vous êtes très dur en affaires. C'est un prix équitable. Voilà. Parce que elle proposait quoi ? Impressionnant. Merci. Vous êtes ici chez vous. Oui, oui, merci. Des rumeurs ? Vous savez forcément que Glistel et Malintus en Cruz vivent ensemble. Tout simplement honteux.
Ah, ce jugement. Laissez-moi jeter un œil. À bientôt. À bientôt. Grâce à toi, je suis préparé pour l'aventure. Donc, je me disais, je me pars d'ici. Et au choix, soit je vais dans l'ermite plus proche que j'ai repéré. Je mets en haut pour voir le bout du chemin du petit château que j'ai cru au début que c'était celui de la comtesse. Avant de voir sa demeure à l'intérieur des fortifications. Bonjour. Si vous voulez acheter un cheval, entrez et allez parler à Bongonde. Merci bien, madame. C'est exactement ce que je comprends. À bientôt. Comment ça va? Ça va fort bien. Je dirige les écuries du Pays du Nord. Vous cherchez un cheval? Exactement. Attends, j'augmente le son parce que j'entends mal. Je deviens vieux et sourd. Des rumeurs d'abord. Vous avez eu l'occasion d'aller à Feu et Acier récemment? Ah bah oui. Rachida a de nouvelles épées très belles. Et elle est très sympathique en plus. Oui, je confirme, je lui ai vendu une armure que j'ai prise sur les dépouilles d'un ennemi. Bon allez, un cheval, je vous prie. On ne trouve pas de meilleur cheval alezan dans tout Cyrodiil. Ils ne sont pas aussi robustes que la plupart des chevaux, mais seul le cheval noir est plus rapide. Pièces d'or. Mais j'ai pas ça, moi. Dommage. Vous ne trouverez pas de meilleur cheval alezan à Cyrodiil. Et honnêtement, de choisir entre un pur sang et un cheval de trait, moi, honnêtement, je prendrais toujours le cheval de trait. Parce que déjà, j'aime pas aller vite. Et j'aime bien les animaux bien en chair. Adieu. Adieu. Yeah. Il y a de quoi faire de la cueillette, c'est bon ça. Oh, faut que je remette mon armure. Là. Oups. Toujours l'instant sexy. Ah. What? C'est un ours? Ah non, c'est un rocher peut-être. J'ai cru que c'était un ours. À la cueillette et je ferai de l'alchimie. Alors, quelle heure il est dans le jeu? Il est quasiment 3 heures de l'après-midi.
Si je vais dans les ruines tout en haut, autant dire que je vais y arriver à la nuit et je vais passer la nuit dans le château. Je prends le risque. Allez, l'aventure, c'est l'aventure. J'y vais. Ah, il faudra que je revienne dans la baraque des malheureux là qui sont morts. Avec... Heureusement que j'étais pas sur la route, ils m'auraient renversé. Donc. Je ne savais pas qu'il y avait une baraque à l'extérieur des fortifications. Avec un puits ou un. Ah non, c'est un chaud de fortune. Ah, qui c'est qui s'est installé là? Dévaliser toute la région. J'arrête pas de faire cueillette. Alors j'espère que le dit château est grand, que ça m'occupe pendant un bon bout de temps. Waouh! Oh oh! Je lui ai tranché la gorge. Quelle horreur. Bon, ça pèse l'eau pour pas grand chose. Pantalon corderon, tiens donc. Mais attends, son bouclier vaut peut-être quelque chose. Ah oui, bouclier de fourrure, je lui confisque. Non, l'âge de guerre, on s'en moque. Ah bah tiens, dans les sorts. Celui de santé pour le coup. Encore un adversaire. Magnifique, il m'a quasiment rien fait. Oh, il est mort droit comme un i.
C'est le fameux château, oui, c'est ça. Je vais y passer la nuit. C'est sûrement une dame hantée. Oh putain, il m'a fait peur ce con. Il me fera peur à chaque fois. Quoi? Ah non, c'est un loup qui l'agresse. Tiens, il y a un point d'eau à ce niveau. Attends, je vais y aller avant qu'elle tombe. Ah, c'est sympa pour la pêche, dis donc. Hop, je réquisitionne tout. Waouh, il y a même l'embarcation. Je sais pas s'il y a moyen de pêcher dans le jeu, mais ça me perd. Waouh, le cadre me plaît, franchement. J'ai de la thune, j'achète le château. Oh! Oula, il commence à faire ce truc là, je commence presque à paniquer là. Ça m'a énervé. Mais qui c'est qui court? What? C'était quoi ça? Des émanations jaunes. Wow, il se passe un truc. Ah! Oh! Putain, mais il est en magie lui! Autre comment qu'il m'agresse de manière gratuite. Ah, c'est un fort occupé, d'accord. Oh là là, on voit les salauds. Je vais me faire démonter. Ah non, mais je suis mort là. D'accord. Bien, je sais pas si c'est un truc, moi je le récupère, je recharge ma magie. C'est quoi la magie? Ah merde, je peux pas prendre d'assaut ce château, je suis dans la mouise. Dakodak, c'est la place morte de Brigand. Et il y a un blason derrière. Oh là là. Chez qui je suis tombé? Non, bah va falloir que je rentre au patelin. Quoi, la mine pillée? Bah, j'ai même pas vu l'entrée. Attends, je vais retourner sur mes pas de toute façon. Je peux pas m'attaquer à la forteresse. Merde, ça va être toute la nuit. Je m'en fous, je passerai la nuit dans la mine. J'ai même pas vu l'entrée de la mine pillée. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Faire la lumière. Ça fait quoi ça déjà? Ah non, c'est la détection de la vie. Merde, non, je m'en bats. Quoi? Quelqu'un a perdu conscience. La zone est pillée. Je peux savoir où est l'entrée?
la torche. Mince. Torche, torche, torche. Oh merde. Il y a du peuple. Oh là là, il y a l'air d'avoir pas mal de peuple. Ouais, vous me donnez du fil à retordre. J'ai vu quelqu'un marcher dans le... Oh putain. Ces deux-là, c'est ce qu'on va faire. Apparemment, ça ne va pas plus loin. C'est vraiment une toute petite mine. Ah non, ça va plus loin. Attends, on aura le coffre après, je crois. Oh non, quoique. On sait jamais, si je tombe dans un précipice et que je m'en sors pas. Autant avoir un maximum de matos. Ah. Oups. Oups. Putain, mais c'est pas mon jour. Bon, c'est moche, mais je vais recharger la partie. Je fais n'importe quoi en fait. Matt Alarm a perdu connaissance, mais pourquoi il me dit ça? Voilà, comment que je l'ai encastré le vilain. Voilà. Tiens. D'accord. Je me demande où est-ce que ça va me mener. Non, ah j'ai cru. C'est vraiment une serrure en métal. Imagine.
c'est pas vrai. Allez, tape. Attends, autant dire que je suis mort. Merde. Ah, puis je peux pas. Ça fait peur. Oh. Il m'a fait peur, cet idiot. Punaise, mais ils sont nombreux. Ça devient embêtant tellement qu'ils sont nombreux. Attends, je vais d'abord nettoyer les lieux et faire le combat. Souris. Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux plus contrôler la vue. Ok, génial, il y a un bug. Oh non, j'aime pas. Ça casse l'immersion là. Ah ah, c'est buggy, bordel. Je peux plus gérer la vue. Ah, tant pis. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah. Alors ici il y a eu un éboulis, d'accord. Ici il y a... Oh là là, d'accord. Il y a une grande suite. Ok. Ce n'est que la première partie. J'ai la hargne là. Je vous dévoile tous. Oh, attention. Sur en port. Ah, une torche, ça se refuse pas. Merde, je suis allé trop vite. Oh la vache. Ouais, sauf que la clé mort a un poids de fou. Thank you.
Comment je lui ai passé la lame dans la main? Veine d'argent, c'était pas. Oh, j'ai même pas besoin de pioche pour me servir, c'est beau ça. Ah non, c'est là où il y a des folies. La suite de l'aventure qui passe ici. Ah bah ça va me faire ma nuit là. Je suis tranquille avec ça.
Une petite pause s'impose.
là, pas du tout, il est 12h30 du matin, je suis en pleine nuit. Je peux essayer d'aller jusqu'à la demeure là des. La demeure de Malo. Ouais, je ne traîne pas sur la route. Que voulez-vous ? Bah, je suis surpris de voir quelqu'un de nuit. Ces avis de recherche concernant le renard gris sont partout. Oui. Prenez soin de vous. Oui, toi aussi. Allez, une petite nuit de 4 heures. Voilà qui est parti pour moi. Piston à part occuper les dieux. Oh, ça m'étonne. Alors là, ça m'étonne. Surpris, je m'attendais à voir quelqu'un, pas du tout. Ah, il est en train de bosser. Okay. D'accord.
je vais essayer de me rendre à Gvash. La ville des peaux de Gvash. D'ailleurs, je suis pas allé à l'intérieur de ce fort. Je suis en train de veiller. Personne n'occupe les lieux. Putain, ça fait une demeure. Je dirais pas sympathique, mais ça fait une demeure. Il y a une énorme double porte là. Ah, il y a des rats. Non, c'est la demeure. Ah si, il y a du monde là. J'ai miné aussi. Waouh. Ah ouais. Il y a un petit repère. D'accord. Je reviendrai voir les adversaires plus tard. Jeu de levier. Oh là. Alors ça dissimule forcément quelque chose de très important. Attends, pourquoi il y a autant de leviers? Si j'en active un. Hein.
voilà qui est mieux. Alors là, il y a forcément quelque chose à cacher. Autant de protection. Je ne dis pas qu'il y a des gobelins derrière le piège. Ah si, j'en vois un au loin. Ah, je vais aller me le faire. J'aurai un autre accès. Oula, il y en a plusieurs même. C'est un boss ou quoi? Attends, viens dans la lumière, salopio. Que je te vois. Je vais pas y aller à distance. Oh, pardon, j'ai regardé un SMS que j'ai reçu à l'instant. Mais. Que ce soit ma lame qui soit plus en état de trancher, peut-être. Ah, il y a peut-être un peu de ça aussi. Merde, j'ai plus de marteau de réparation. Déconne pas. Je peux plus faire le forgeron. Oh bah merde alors. Thank you.
Tara, d'accord. C'est leur garde montée. D'accord. Je comprends mieux. Pas placer mes coups. Souffrance, Déborah. Déborah, Gwendoline. Merde, j'ai un bug de souris. Magnifique. Pas à gagner le duel. Vache, c'était un ennemi à ma hauteur. J'ai vu qu'il y avait des trucs sur les bords, je leur ferai après. Waouh. Ils se retrouvent des rapburgers. C'est intéressant. Attends. C'est ça. Oui, je veux bien la lumière là.
sordide. D'accord, d'accord. Oui, bah tant pis pour le sort de lumière, parce que là pour le coup il va pas m'aider davantage. Là, je vais peut-être faire de la chimie pour le coup. Ah, je suis bon, là. Ah oui, il y a la présence des rats. Ah, il faut que je cible les rats si je veux pouvoir venir. Oh là, c'est trop haut, je vais descendre normalement. Normalement, je ne cours pas dans les escaliers, mais là, je ferai exception. M'a tué, bravo. Oh. Ok. Il n'y avait rien de spécial ici, j'en profite du coup. Putain, mais on y va tout de suite. C'est con. Je vais être obligé de boire une potion de vie parce qu'ils vont me buter. C'est quand même fortiche. Ah, ouais, lui, il m'aurait buté. Punaise. Je me serais fait déboîter par des rats. C'est pas glorieux. Ah! Il m'a indiqué un truc, mais j'ai pas compris quoi. Ah, c'est un crabe! Génial. Un petit dodo d'une heure. Hein. C'est la mini sieste. J'ai pas besoin de plus. Oui, en plus j'ai récupéré toute ma vie. Oui, alors potion. Très envie de faire de la chimie. Oh, la glycine, j'en ai une tonne. La glycine, c'est quoi? Oh, vision nocturne et résistance à la paralysie, c'est super intéressant comme propriété. Putain, faut que je garde ma glycine, j'espère qu'elle passe pas trop lourd. Ah, j'ai deux formes de glycine, tiens, qui font pas la même chose. Fardeau en plus. Oh, la grosse potion. Dégâts de volonté, fardeau et regain d'agilité. Trop bizarre.
Waouh, le gros poison. Dégâts de volonté, réduction de santé et fardeau. Waouh, trop violent. Avec le nectar, ouais. Oh la vache. Avec la chair de crabe. Ah, résistance à la foudre. Réduction de santé. Putain, c'est trop fort. Avec le lys tigré, j'ai regain d'endurance. Ah bah c'est bien. Ouais, je ferai de la chimie un peu plus tard. Là, torche, là, c'est obligé, c'est pas possible autrement. Heureusement, j'en ai 50 des torches. J'en ai 7. C'est pareil. Oh putain. De l'action. Hop là.
mal, hein, regain de magie, excellent. Très convoité les potions de regain de magie. Chasseur de trésor, oui il est mort, ça c'est sûr. D'accord. Aïe. Je sais pas comment se déclenche le piège, mais je me fais avoir à chaque fois. Ah, intéressant. Oh merde, je porte trop de trucs. Est-ce que je peux pas faire de l'alchimie pour m'alléger un peu? Ouais, 28 pieds sur 109 secondes, bien. Ah là, là je suis moins lourd. Je vais distiller tout le bazar.
Merde, j'y vais trop vite. Ouh, je suis nerveux. Voilà. Ah, oh. Oh, intéressant, mais c'est lourd. Ouais, là je suis surchargé. Ouais, puis c'est le soir, je ferais bien de dormir ici. Mais avant, il faut que je me soulage de mon poids. Qu'est-ce que je peux faire? Putain, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que je peux faire en regain de fatigue? Non, il y a rien qui... Ah bah si. Ah oui, les laitues, ça pèse lourd. Ah, très bien. Je dois me reposer et méditer sur ce que j'ai appris. Ça tombe très bien, je vais faire une nuitée. Ah bah c'est parfait ça. C'est parfait. Bon, c'est pas mal parce que là mon poids... Ah non, je suis encore en surcharge. Merde. Ah, je pensais pas être encore en surcharge. Oups, oups, oups. Ou alors je vais consommer une de mes potions. Éventuellement. Je peux boire le regain de magie, ouais. Alors, je pense pas que je puisse bouger là encore. Ouais, je suis encore surchargé. Oh, minimum. Ah si, j'en ai une, ça elle vaut que 16. La détection de vie. Ouais, mais c'est un peu idiot de la... Dans les ingrédients, il n'y a pas un truc que je peux manger comme ça, tel quel. Ouais, non, c'est idiot. J'ai pas un truc en trop que je devrais me débarrasser. Peut-être les vêtements en velours rouge. C'est vrai que la peau d'ours, ça pèse. Ça vaut du pognon, mais ça pèse. Ah, heureusement que j'ai le conteneur devant moi. Il va me servir. Il va me servir. Je laisse la coupe et la cruche en argent. Oh, je sais pas. Non, dans les vêtements, je vais laisser le pantalon velours rouge, tant pis, je m'en retrouverai plus tard. Je m'en retrouverai plus tard. Allez, au dodo. Donc il est 9h du soir.
dire que je peux dormir 9 heures, ouais, facile. C'est qu'il va falloir faire un choix dans l'évolution du perso. Gwendoline, là, elle a pris des... Ouais, niveau 3. Ah! Tout n'est pas niveau 5. Pardon, je continue mon petit déj. Bon, bah je peux retourner en ville. Avec ça, ma fortune sera faite. Merde, non, je suis passé. Non, c'est pas grave. Pas, faut que je regarde la carte locale là. Ah oui, il y a moyen de tourner en rond, d'accord. Ok, ça fait une boucle, je comprends mieux. Parce que là j'allais devenir fou et me dire que c'est interminable au niveau des sous-sols. Donc c'est moi qui l'ai achevé. Ok, j'avais pas vu qu'il y avait une porte à côté. Voilà. Et là, je vais sortir du fort et regagner la forêt. Nye, purée, nye, 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 nye. Voilà. La bonne direction.
Attention! Je suis tout oui. Je vous en prie, une pièce. Vous êtes bien gentille, madame. Merci, chère madame. Arquet vous bénisse. Enfin, j'espère que c'est pas l'autre escroc là. Ah si, c'est lui. Je parle même pas à vous. Avez-vous des nouvelles de la mission dont nous avons discuté ? Partiellement, mais pas grand-chose. Je vous ai dit qu'il ne coopérerait pas. Il faudrait le prendre en filature pour savoir où il va. À part ça, des rumeurs ? L'ingrédient principal est un excellent endroit où faire ses courses quand on est alchimiste.
faudra que j'y aille faire un tour, tu as raison. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? Oh mon Dieu, je vois des choses. Alors, pardon, moi je vais déjà vendre ce que je peux. Oh non, mais des flèches, j'en ai beaucoup trop, c'est pas possible. Surtout que je tire pas souvent à l'arc. Ouais, je vends quasiment tout mon stock. Oui, non mais là... C'est une bonne transaction. J'ai beaucoup trop de flèches. Ah, la dite dague. Ah, attends, la dague, elle est intéressante. Parce qu'elle prend moins de poids et elle fait tout autant de dégâts que mon épée courte. Alors, je vais vendre mon épée. Ouais. Vous avez fait une excellente affaire. Je crois. J'ai bien fait de prendre cette dague en acier dans le fort. Ça va être mon arme désormais. Pour un petit moment, je pense. Oui, bah je vais vendre les bottes en fourrure. Écoute, elles sont complètement exposées. Ah, donner, ça vaut rien. Ça vaut rien du tout. Allez, je les donne. Cadeau. Oui, bah je vais vendre le neuf, ça va, je préfère pas. Ouais, les boucliers de fourrure. Bon, mes gants, il faut que je les fasse réparer. Ok, ok, ok. Ah, c'est bien, elle m'achète mes potions. C'est plus que ce que je paie d'habitude. Oui, mais ça, je veux pas le savoir, ma grande. Les affaires sont les affaires. Je fais toujours des bons prix à mes bons clients. C'est plus que ce que je paie d'habitude. Je ne veux pas t'entendre, vilaine. Je fais toujours des bons prix à mes bons clients. Finalement, je vais peut-être avoir suffisamment d'or pour m'acheter un cheval. Ça sent bon, mon histoire. Vous avez gagné une belle somme. Je crois, finalement, oui. J'aurais pas dit autant, mais je m'en réjouis. C'est un prix équitable. Excellente transaction. Je crois, oui. Je fais toujours des bons prix à mes bons clients. Je sens que je vais me sentir plus léger. Punaise. Oh, il me faudrait un chez moi parce que je commence à cumuler des bouquins là. Cela me semblait être un prix juste. Mmh. Ouais, je vais pas m'encombrer de tout ça. Je vais vendre l'argenterie. C'est une bonne transaction. Ah oui, la peau douce. Cela me semblait être un... Oui, oui, oui. C'est plus que... Eh mais c'est génial, ça! J'ai juste de quoi m'acheter un cheval. Il faut 1500 et j'ai... Oh là là, quel bonheur! Ah, par contre, il faut que je répare mon équipement. Donc, en réparant mon équipement... Oh là 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 là... Dur en affaire. Aïe, 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 aïe.
J'aime faire affaire avec vous. Oh oui, moi aussi. Merci encore de votre aide. Nous ne pouvions faire appel qu'à vous. Là, je vais être soulagé d'un poids. Attends, pardon. Oh oui, punaise. Alors attends. Je remets voilà, ma robe commerciale et dalle de fer pour moi. Voilà. Ouais, la petite dalle. C'est bien. Donc. Qu'y a-t-il ? Bon, Yul, j'ai besoin de faire réparer mon... Si c'est cassé, je peux m'en occuper. Oui. Oh, il me restera suffisamment pour acheter un cheval. Je suis en joie, madame. Prenez soin de vous. Oh, vous aussi. Génial, je vais pouvoir faire l'acquisition d'un cheval. Oh là là, ça va me changer la vie. Là, on monte clairement de niveau, là. Oh yes, je vais pouvoir acquérir un cheval. La première monture. Il faudra pas que je la perde. Mince, je suis pas allé dans le bon sens. Oups, l'écurie est à l'opposé. Oh, c'est bon, Noël. Je vais retraverser toute la ville. Oh là. J'ai pas une mince affaire. Veuillez montrer votre respect pour le palais impérial en ne parlant pas de vous. Je n'ai rien dit. Je crois que c'est la porte là. Bien, je crois. Là, je suis moins sûr maintenant. C'est que j'ai pas fait ici, donc je vais aller voir. À quoi ça correspond. Oh les statues sont magnifiques. Ah là-bas il y a une porte. Je pense que c'est la sortie de la oui. Cité. La ville de Dégagné. Ce n'est pas un mauvais moyen de venir là. Hop là. Ah. Oui. Non. Non. C'est pas la sortie normale ça. Attends, je suis où là? Oh merde! Oh non! Oh l'université arcane! Je vais peut-être y apprendre des trucs finalement. Je vais aller jeter un œil, on sait jamais. Le cheval à toi! Waouh! Parlez! Quel est le problème? Oh mais j'ai entendu parler de vous! Pourquoi je ne sais plus? Des choses terribles se sont produites à la chapelle d'Anneville. Tous les prêtres et prêtresses de Dibellan ont été assassinés. Oui, je mènerai l'enquête ultérieurement, mais... Oui. Des indications? Qu'est-ce que vous cherchez? Les services.
Vous trouverez des forgerons, des alchimistes, des libraires, des magasins pour mages, des marchands de vêtements, des armuriers et des négociants généraux dans le quartier du marché. À plus. Si vous rencontrez des problèmes, venez me voir. Avec plaisir. Belle armure pour croiser. Ça en jette. Qu'est-ce qu'il y a sur les bateaux ici? Ah, dites-moi qu'il y a des souterrains, des égouts. Puis-je vous parler, collègue? Vous aussi. Je vous salue. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que vous avez? J'ai entendu dire que les guerriers d'Orient avaient quitté leur province de bord de ciel en compagnie de mercenaires forts pour attaquer les Redoran de Morrowind. Les Nordiques ont toujours farouchement défendu leur territoire. Pas étonnant qu'ils se retrouvent mêlés à ces problèmes. Au revoir. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Oh my god, elle m'a parlé in English et il n'y avait pas la voix. Des rumeurs? Les choses sont différentes à la guilde depuis que Traven a été nommé archimage. Elle est plus structurée, mais tout le monde a l'air nerveux. La cité impériale? Ce planétaire est le seul de tous Cyrodiil. Il y en a un autre, à l'Enclume. C'est le vieux qui se trouve à Strosemkay. Au revoir. Au revoir. Je peux vous déranger, cher lecteur? Salut. Je suis Raminus Paulus, consul de la Guilde des Mages. Ah. Bienvenue à l'Université Arcane. Merci, bonjour, monsieur le consul. Avez-vous des rumeurs? Les choses sont différentes à la Guilde depuis que Traven a été nommé archimage. Elle est plus structurée, mais tout le monde a l'air nerveux. Mm-hmm. Et leurs recommandations? Vous n'avez pas encore reçu de recommandations de tous les individus requis associés. Continuez vos efforts. Bah oui. J'ai qu'une seule recommandation et à mon avis, il va m'en falloir près d'une dizaine. Et en ce qui concerne la guilde? L'université Arcane a vu le jour peu après l'installation de la guilde des mages à Cyrodiil. C'est notre siège depuis très longtemps. D'accord. Il n'y a que des articles de qualité ici. Que puis-je vous offrir? Faut pas que je craque. Non, il faut que j'achète un cheval. Le cheval avant tout. Voilà, de toute façon, j'ai pas le niveau. J'ai ni le pognon ni le niveau, alors comme ça. Oh là là. Au revoir. Au revoir. D'accéder à rien du tout à part l'accueil. Et pourtant je suis membre de la guilde. Tout ça parce que je suis qu'un simple apprenti. Un jour je serai archimage. Bon. Bon, je m'aventure là-dedans. Oh. Quoi? Quelle que soit la force déployée, la porte ne bougera pas. Merde, il y a un enchantement sort de par deux.
au bout de chemin. T'es un garde, toi ? Je vous salue, bon citoyen. Que puis-je pour vous ? On est de la même classe, des mages de guerre. Un problème ? Non, à part que je suis tombé de te voir. L'université Arcane constitue le plus grand regroupement de connaissances de Cyrodiil. C'est un grand privilège pour un mage de pouvoir y entrer. Oui, je pense bien. Au revoir, magister. Mage de guerre. C'est bizarre le terme de magister. Je préfère le terme de mage de guerre. Bon, bref. Finalement, j'ai appris quelques trucs, mais j'ai rien de nouveau. Un cheval. Oh, si je faisais tout, je risque de... Oh, je sais pas grand-chose si je peux les mix. Oups. Je regarde où c'est. Ah, ça va, je peux contrôler. Ah, le fameux port. Pas d'Amsterdam. Donnez-moi, c'est combien vous avez besoin de mon aide. Oui, s'il vous plaît. Snagrabura, propriétaire. On loue des chevaux. Et on n'en vend pas. Enfin, plus. Ah mince. Mince. La cité impériale. L'écurie du cheval Alzan vendait des chevaux autrefois. Mais ils sont tous partis. Nos chevaux. Il n'en reste plus un seul. C'est un grand mystère. Nul ne sait où ils sont. Est-ce que vous les avez mangés? Goops. Ajoutez un peu d'oignon et... attendez, j'ai bien failli me faire avoir. Bien sûr que non, ce serait mal. Les chevaux, ça ne se mange pas. Ah, comique. Est-ce que je la cuisine et je m'amuse à la séduire? Non, c'est sans intérêt. À bientôt. À bientôt.